L'arbre qui barrait la route. Un jour, un gros arbre tomba sur la route et bloqua le passage. Les gens ne pouvaient plus se déplacer librement. Une femme allait au marché pour vendre du lait. Elle espérait obtenir suffisamment d'argent pour s'acheter des choses dont elle avait grandement besoin pour les membres de sa famille. Elle passa près de l'arbre et, alors qu'elle essayait de l'enjamber, elle glissa et tout le lait coula par terre. Elle était très triste car elle ne pourrait plus maintenant acheter ce dont elle avait besoin pour sa famille. Un vieil homme allait à la mosquée pour accomplir les prières de Maghribeyn. Sur son chemin, il s'écroula et se cassa la jambe. Un monsieur et son fils voyageaient sur le dos d'un âne. Il allait rendre visite à un ami dans la ville voisine. Il faisait nuit quand ils sont arrivés près de l'arbre et ils ne virent pas l'arbre tomber sur la route. L'âne trébucha et l'homme et son fils tombèrent de l'âne. Leurs vêtements étaient déchirés et les fruits qu'ils transportaient s'éparpillèrent çà et là. Ensuite, un homme passa par là. Il était très fâché et se dit « Cet arbre a dû causer du tort à beaucoup de personnes. » Alors, il décida de l'enlever de la route, en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnerait ses péchés. L'arbre était très lourd, mais il réussit à le mettre de côté. Il était très heureux, car il permit aux gens de se déplacer de nouveau librement. Allah subhanahu wa ta'ala le récompensa pour cet acte en le pardonnant et en lui accordant le paradis.